إذا بعد ما شفنا في الاكزرسيس الاول شفنا لابليكاسيون لينيير من R2 لR2. في هذا ليكزامبل هذا غادي نحاولوا نشوفوا لابليكاسيون لينيير من R3 لR3. وكما قلت انه فاش تكون اون ابليكاسيون لينيير من E ل E on l'appelle endomorphisme. ونعاود نشوفوا بلا ميم فاصون كومون مونتري qu'il s'agit d'une application linéaire, et on cherche de même le noyau de F. On zido plus de détails lorsque le cœur de F, il y a la notion d'iel injective, la notion d'iel surjective, on zido l'image de F. Donc, sans plus tarder, on continue fait dimension 3. Alors, j'ai une application F. De façon différente, mais vous pouvez faire l'exercice précédent. C'est une application R3, parce que elle prend un élément qui a trois composantes, donc R3 dans R3. Pourquoi? Parce que même l'ensemble d'arrivée, elle est composée d'un vecteur de trois composantes. Donc R3 dans R3 qui prend un vecteur x, y, z, le transforme en x plus y plus z. Ça veut dire le premier plus le deuxième plus le troisième. Fait la deuxième composante, il prend le premier plus deux fois le deuxième, x plus 2y. Et la troisième composante, c'est moins le deuxième, c'est-à-dire moins y plus z. C'est-à-dire écriture similaire à la décra, c'est la même chose. Donc essayons de montrer que l'application F est une application linéaire. La même chose comme tout à l'heure, on va considérer qu'on a un x qui est égal à x, y, z. C'est un vecteur qui appartient à R3. On va prendre un deuxième vecteur y qu'on va noter les composantes x', y' et z' qui appartiennent de même à R3. L'ensemble E à l'ensemble E, les deux. Et lambda, un scalaire qui appartient à R. Et essayons de montrer que l'application F est une application linéaire. Alors, pour montrer qu'il s'agit d'une application linéaire, on va faire comme tout à l'heure. On va calculer f de lambda x plus y. Et on va voir si ça va donner lambda f de x plus f de y. Alors, on va poser, cette fois-ci, on va faire vite par rapport à l'exercice précédent, du fait que maintenant vous êtes habitué, notamment surtout si vous avez refait l'exercice précédent. Donc lambda x, il y a x', il y a x, y, z, ça veut dire il y a lambda x, lambda y et lambda z, plus, vous voyez, Naya, lambda x sera x, il y a x, y, z. Donc, je multiplie le scalaire lambda fois tous les éléments du vecteur. Plus y. Y me fait h lambda. Donc, c'est x', y' et z'. On dira la somme des éléments Kemlin. Le premier plus le premier, le deuxième plus le deuxième. Donc, f de lambda x plus x' plus lambda y plus y' plus lambda z plus z'. Maintenant, ce n'est pas un plus, c'est les composantes.
Donc voilà, le premier plus le premier, le deuxième plus le deuxième et le troisième plus le troisième. Maintenant, je n'ai qu'à appliquer l'application F. Je n'ai qu'à dire l'application F, elle prend les trois composantes que dès l'on fait le premier élément ou à la somme des trois. Le premier, le deuxième, le troisième. X plus Y plus Z. Je connais X et Y, Z, D. Donc elle va prendre ça plus ça plus ça. C'est uniquement le premier élément. Ouada plus Ada plus Ada. Le deuxième élément, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le premier plus deux fois le deuxième. Donc elle va prendre le premier, les Ouada, plus deux fois le deuxième. Et on va le poser ici. Et en troisième lieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend moins le deuxième élément qui est ici, plus le troisième élément qui est ici. Et on va le mettre là-bas. Donc, le premier élément plus le deuxième plus le troisième, on va le mettre ici. Mais cette fois-ci, je vais essayer de les classer par ordre homogène. Donc, Ada plus Ada plus Ada, nous lambda x plus lambda y plus lambda z. Je fais la suite. Donc lambda x plus lambda y plus lambda z plus x prime plus y prime plus z prime. Parce que la somme c'est commutative. Je me dis, mais j'ai préféré à mettre ça en ordre par rapport à l'exercice précédent. Le deuxième élément, je ne fais x plus 2y, yani l'oul plus 2 fois tani, l'oul hawa, lambda x, plus la même chose, l'oul plus 2 fois tani, yani lambda x plus 2 fois lambda y. Et x prime plus deux fois y prime. Voilà. L'écrania fait a moins le deuxième. Voilà. Moins le deuxième. Il y a le moins y. Hawa le deuxième. Moins hada. Plus hada. Et la même chose, je vais essayer de la poser homogène. Donc, moins lambda y plus, alors moins le premier plus le deuxième, moins lambda y plus lambda z. Aoutani, moins y prime plus z prime. Et voilà. Donc il a arf nahtom un bon classement. Voilà, le problème est résolu. M'badran frrok, radin dir, deux vecteurs, bhal ki drna tout à l'heure, maintenant qu'est-ce qu'on a dit A plus A prime, B plus B prime, et C plus C prime. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a A, B, C, plus A prime, B prime, C prime. C'est comme ça. Donc, tu vous l'as dit, deux vecteurs. Le premier vecteur, je connais, on va faire rien à deux. Les méfiants, je les prime. Donc, lambda, on a mis le B en même temps, plus Y, plus Z. La première composante. La deuxième composante, il y a lambda x plus 2y. La troisième composante, c'est moins lambda. Lambda moins y plus z. Voilà le premier vecteur. Et plus, après, c'est. Je n'aurais pas à lire x prime plus y prime plus z prime à la première composante le deuxième vecteur plus x prime plus 2y prime à la deuxième composante et enfin troisième composante il y a moins y prime plus z prime et vous voyez que هذه il a multiple lambda. Je n'aurais pas le cas de f de x, y. C'est f, yani f de grand x.
plus ouais, de la partie tania, ce n'est autre que f de y. La y atteint a les fiom les primes. Donc, nous avons f de lambda x plus y. Rejet lambda f de x plus f de y. On en déduit que f est une application linéaire. Voilà donc, je finis l'application linéaire pour R2. Je finis l'application linéaire comme on l'a démontré pour R3, dimension 3. C'est de même pour n'importe quelle dimension. Maintenant, on va voir la notion, encore une fois, le noyau, le cœur de F. Et puis après, on chauffe le noyau. Nous allons faire le noyau. شنو كان نستنتجو من هذا النوايو اش كيعطينا ابري غادي نشوفو ليماج اي ابري لو تيوريم دو ديمونسيون دونك لو نوايو دو اف كيما شفنا في ليكزيرسيس بريسيدون سي اون مي اف دو اكس ايغريك زد ايغال 0. Donc, on écrit encore une fois l'application linéaire d'ILI. Voilà, l'application IA F de X, Y, Z. IA le premier plus le deuxième plus le troisième. Et la deuxième composante, c'est x plus 2y. Et la troisième composante, c'est moins y plus z. Le noyau cœur F. Le noyau cœur de F égale toujours la définition. Ce sont les éléments x qui appartiennent à E, tels que F de x égale 0 de f. Tout simplement, qu'est-ce qu'on met? On met head shahada égale 0. Ça veut dire x plus y plus z. C'est f de x égale 0 de R3. Alors, je c'est 0 de R3 ou 0 de f. La recache est R3 R3. Donc, x plus y plus z. X plus 2y et moins y plus z, le tout égale 0, 0, 0. Hada huwa 0 de R3. Yemkinlkom ma tkتبوش hadi w tkتبو 0 de R3. Donc, katarjouha un système comme tout à l'heure, c'est que le premier élément égale 0, le deuxième élément égale 0, et idem pour troisième élément. On cherche l'élément le plus facile. L'équation la plus facile, c'est la dernière. Donc, on résout la dernière. On va trouver que y égale z. Donc, je peux remplacer z par y. Fi kayna z kayna la première équation. Donc, on a dit tout les x plus y et plus y. Parce que on a trouvé que y égale z et x plus 2y égale 0 égale 0. On cherche de même, on a laissé là x, x, x égale moins 2y. Donc je remplace le x par moins 2y. Et on va trouver que. Alors ça va donner x moins 2y moins 2y plus 2y égale 0. Et ça, c'est une évidence. Alors, évident. Yani, il mène à moins 2y raha égale égale à moins 2y plus 2y égale 0. Ça, c'est évident. Donc, le cœur de f, ce sont, il y a les éléments x, y, z, l'équito, le x, il y a moins 2y. Aïe.
Y, نخليها هي Y. Ou Z, هي Y. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que j'ai remplacé كل حاجة لقيتها. Donc, je n'ai pas trouvé comme tout à l'heure, dans l'exercice précédent, le quart de F égale 0. C'est 0, 0, dial R2, قبيلة. D'abord, ce n'est pas le cas. Le quart de F, c'est les éléments moins 2y, y, y, tel que y appartient à R. يعني كما بغا يكون y. أو لا, on peut écrire que le quart de f c'est la base. Il a عملته ب y هنا غتعطيك moins 2 ou 1 ou 1. C'est le vecteur, ce sont les tous les vecteurs dont la base est 2, 1, 1. Donc les deux écritures sont correctes. Mais l'essentiel, c'est que le quart de f est différent de 0. Le quart de f différent de 0 de f. Obtali 0 de e. Obtali, on a f n'est pas injectif. F n'est pas injectif. Quand est-ce qu'on dit que f est injectif? Il est quand le quart de f خرج nul بحال l'exercice précédent. L'exercice précédent خرجتنا le quart de f égale 0 0. Donc le قبيله كان injectif هنا c'est pas injectif. Ce que je constate c'est que lorsque l'application f est linéaire, et là, la remarque qui est très importante, ou les magounahash au début, c'est que Feshetkun application linéaire. Donc, j'espère que c'est clair concernant la notion de le noyau. On va revoir encore une fois un autre exemple, la notion de noyau, ou une choufouhta dimension, le théorème de dimension, parce que c'est les éléments basiques de l'algèbre. On a une petite remarque, mais elle est importante. On a l'exemple de l'oul, on a l'exemple de l'oul, ou on a un troisième exemple, mais on a une remarque. En concret, alors l'exemple les cas qu'on a qu'un f de x y égale x plus y x moins y. غير الاختلاف هو ان هذه كانت من r3 ل r3 هذه من r2 ل r2 ونزيد واحدة اخرى f de x y z égale x plus y x en 2x moins y et z plus 1. Alors, à deux, trois applications. Que vraiment, huma des applications linéaires. Hadi les applications linéaires. Dirouha f de 0, 0 de r3, yani 0, 0, 0. Chnoral lahdo. Had l'application, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, f de 0, 0, 0, c'est l'oul zaïd tani zaïd telt, c'est 0 plus 0 plus 0, ratatri, 0 le premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qu'il dit l'oul plus 2 fois tani, l'oul plus 2 fois tani, ratatri, 0. Le troisième élément, qu'est-ce qu'il dit moins tani plus telt, moins tani plus telt, ratatri, 0. Vous constatez que f de 0 de R3 égale 0 de R3. Yani en général, F de 0 de E égale 0 de F. Aya, elle est vérifiée, faites le cas.
نشوفوا اسكو لي فيريفي هنا اف عاوتاني هنا دابا غير ار2 اذا غندير اف2 0 0 ايغال كتعطينا الاول بلس الثاني الاول بلس الثاني غيعطي 0 كتعطينا عاود في الدوزيام اليمون الاول ناقص الثاني الاول ناقص الثاني كيعطي 0 دونك كيسكو فو كونستاتي كو فاش تكون ابليكاسيون لينيير اف2 0 كيعطي 0 الاولى ابليكاسيون لينيير اف2 0 عطات 0 ثانية ابليكاسيون لينيير اف2 0 عطات 0 نشوفوا الثالثة اف2 0 شنو غتعطينا اف2 0 0 0 هادي سي دون ار3 كتعطي الاول زائد الثاني الاول زائد الثاني سي 0 هنا دو فوا الاول دو فوا 0 ناقص الثاني 0 كتعطي 0 وفي الاخر كتعطينا l'élément tellet zaid 1 c'est 0 plus 1 كتعطي 1 et vous voyez que ma tatnash 0 donc automatiquement lorsque f de 0 0 ou là en général lorsque là c'est différent de 0 0 0 en général lorsque f de 0 de e f de 0 de e n'est pas égal à 0 de f qui est l'arrivée alors f n'est pas tout simplement une application linéaire hadith c'est une remarque que vous devez yani à chaque fois que je vous dis application linéaire ou là, mais c'est linéaire, attends, regarde f de 0. Il y a quand même une application linéaire, là, automatiquement, on va dire que f de 0, mais c'est 0. Donc, on va se faire que ce n'est pas une application linéaire. Voilà la remarque. On va dire, on va d'abord la notion d'IL, le cœur de f, l'image de f et la notion de le théorème des dimensions. Bon, normalement, il y a un chapitre qui concerne les applications linéaires. Comme ça, essayez de comprendre mieux et de refaire les exercices avant de passer le chapitre Tani, les matrices.